Bienvenue sur le nouveau tuto. Alors là, c'est le pic 2. On va faire une table. Dans cette table, on va contenir toutes les informations sur les positions des LED. Il y en a 14. Ensuite, on fait une variable qu'on appelle LED number, qu'on met à 0. Nos ports D, on les initialise tous en sortie, donc on les met à 0. On fait une boucle avec while. On charge l'HD. Dedans, on met LED lookup table, donc LED number. On incrémente LED number. Si notre LED number est égal à 14, on retourne à la position 0. Sinon, on fait la tempo de 15. On écrit le soft, on le programme et on regarde ce que ça donne. On est juste.